Et c'est petit. C'est parti. On va avoir Wario. Non, je rigole. Hein. En fait, faut le faire, mais ça me saoule déjà. Donc, flemme. Une game qui va se jouer un peu sur la patience. Hein. Crêpe, il va pas trop vouloir approcher. Il va charger son coupet. Il va essayer de finir plutôt les approches. Il va faire des choses comme ça. En Kuro, il va essayer de trouver sa setup justement avec ses engins. Engins de destruction massif. À la base de Galaga, de Ruiz. Tout ce qui est bon pour la santé, quoi. Ok. Première phase. Les bons Z-drops. Hein. J'aime beaucoup les Z-drops que fait Kuro. Là, c'est facile. Pour un stock parti, il faut réussir à rester dans le match, à faire ok, c'est pas grave, j'ai perdu mon stock un peu bêtement, mais c'est toujours faisable, toujours envisageable. Ça va être très compliqué parce que contre Mario, on n'aime pas être en déficit de stock. Il y a des fois, quelqu'un peut enlever une stock à 0, hein, on connaît. Ok, on a des bonnes conversions de Kuro, mais qui sont bien en tête par Cap. Ok, on essaie de trouver les premiers combos, de monter les pourcents de Kuro, les combos de Wario. Et ça joue passion, ça joue safe. Hein. C'est un match qui va pas. Qui va pas être expéditif. Et en fait par moment on va voir une grosse phase d'un des joueurs. Ça peut être une phase de Kuro comme ça peut être une phase de Crêpe. Une stock qui va s'envoler. Alors on a trouvé une très belle cloche. Et finalement, malgré ce suicide. Infortuné, malgré ce suicide, on a pris 35% de retard et c'est pas si mal. Par contre, il y a ce pay qui se charge doucement du côté de Crêpe. Je vais pouvoir aller jouer, je suis pas sûr. Je sais pas. Alors, on m'appellerait hein, si. C'est parce que j'ai vu mon temps de vie, c'est pour ça que je fais ça. Faut que je parle plus fort, je pense. Excusez-moi. D'habitude de pas parler trop fort, en fait, comme là, on avait des micros qui étaient un peu sensibles. On a cette stock, j'ai tourné la tête, j'ai un peu regardé ailleurs, j'ai pas vu grand-chose, et on n'a pas tellement raté, les pourcentages n'ont pas beaucoup bougé, mais on a quand même une belle avance de la part de Kuro, qui est vraiment dans une forme aujourd'hui, incroyable. Et on trouve ce backer. Et là par contre, on lui rend plus petit peu prix. On aurait pu le garder peut-être un peu plus. Donc, c'est vrai que le pay est déjà chargé, donc il n'y a pas besoin de camper plus que ça. Ça aurait empêché de chercher un potentiel upper waft. Upper landing waft, comme on les aime. Très bonne clé pour finir le B, mais encore un stop. Et là il est mort. Donc on est vraiment sûr là, pas mal stop de cette game pour Crêpe. Très bonne game de la part de Kuro qui joue très bien son jeu. Et vu dommage pour cette petite SDA au début, mais imaginez sans la SD, à quel point il serait devant. Et moi je vais devoir vous abandonner. Profiter de ce match. Profiter de ces deux bons joueurs.
En fait, Three, two, one, go!
Non, mais en fait, je compte, mais ça marche même pas.